À toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle session d'information. Débutons cette session d'information au Congo-Brazzaville où, en sa double qualité, le président de la RTC a fait un aller-retour ce vendredi 4 juin 2021 à Brazzaville, capitale de la République du Congo, pour participer à l'ouverture de la conférence de chefs d'État et du gouvernement, la conférence de chefs d'État et du gouvernement du COPACS, puis le sommet de la CEAC. Cette rencontre préliminaire de ministres des Affaires étrangères prendra fin le samedi, par contre, 5 juin à Brazzaville, avec le huis clos de chef d'État prévu en milieu d'après-midi. Suivez. Au Centre international de conférence de Kintele à Brazzaville, République du Congo, flottent 11 drapeaux des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est ce site de la périphérie de la capitale qui accueille les assises de la 19e session de la Conférence économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. À quelques heures de l'ouverture de la réunion de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement ce vendredi, le décor est bien planté. Au nombre de chefs d'État attendus à ce sommet figurent le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aux côtés de ses pairs, invités par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et président exercice de la CEAC, Félix Tshisekedi et les autres dirigeants de l'Afrique centrale vont passer en revue plusieurs sujets d'intérêt commun. Les questions de paix et de stabilité de la sous-région occuperont sans nul doute une bonne place des discussions, notamment celles en rapport avec la situation politique et sécuritaire au Tchad. La rencontre sera également l'occasion de poursuivre des réflexions sur la réforme institutionnelle de la CEAC, telle que ordonnée en 2015 à N'Djamena par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. L'objectif poursuivi est l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience de cette organisation dans le but de réaliser un saut qualitatif majeur dans la gouvernance de la CEAC. Un communiqué final sanctionnera ces travaux de Brazzaville. Signalons qu'avant la rencontre des chefs d'État et de gouvernement, le ministre des Affaires étrangères des pays membres de la CEAC ont planché ce jeudi sur des questions de défense, sûreté et sécurité dans la sous-région. Créée en octobre 1983, la communauté économique des États de l'Afrique centrale a acquis le statut de commission en décembre 2019 afin de mettre en œuvre ses activités avec une plus grande efficacité face aux défis de la région. Revenons à Kinshasa où l'ex-président de la RDC, Joseph Kabila Kabange, et sa sœur jumelle, Jeannette Kabila, ont soufflé leur 50e bougie ce vendredi 4 juin 2021. Une messe d'action de grâce a été organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo par le membre de sa famille politique. Suivez Emmanuel Ramazani Chadari. Le cas Joseph Kabila.
Et de l'autre côté, l'Assemblée nationale a autorisé la prorogation de l'état de siège proclamé le 3 mai dans le province d'Eluturi et le Nord Kivu. Cette prorogation a été autorisée également par le Sénat. C'est vendredi ainsi fait l'état de siège est prorogé de 15 jours. Suivez tour à tour le député national. Il était important que nous puissions proroger 15 jours tel que la Constitution le demande et l'Assemblée nationale a pris acte de cela. Et que nous avons remarqué qu'ils profitent du micro pour aller au-delà de ce qui est prévu dans la discussion, c'est-à-dire commencer à donner les faiblesses qui est au front, commencer à donner des commentaires sur le comportement de nos forces sur le terrain. Et toutes ces informations-là peuvent être en défaveur de notre armée. C'est pourquoi nous avons dit qu'il n'est pas indiqué qu'on ouvre les débats pour évaluer la situation parce que nous sommes encore pendant la période des opérations. Il faut qu'on aille tout droit au but pour voter la prorogation de l'état de siège pour donner encore la chance ou donner encore la possibilité à nos forces sur le terrain de faire mieux. On pourra peut-être organiser un autre débat à huis clos pour essayer de discuter autour de ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Mais aujourd'hui, il n'était pas indiqué de discuter sur ces points-là. C'est pourquoi nous avons demandé, nous avons soutenu la motion de l'honorable Mayo et qui a abouti au vote et on est passé directement au vote. Quittant Kinshasa pour le Nord Kivu, après son arrivée à Goma, le lieutenant-chef d'état-major de force terrestre, Fall Sikabwe, a été reçu en audience par le gouverneur militaire. Au sortir des échanges, le major Sikabwe salue l'exécution de l'état de siège dans cette partie du pays. Exécution de l'état de siège en province du Nord Kivu, la porte de l'état-major des forces terrestres est confirmée. Le lieutenant-général Sikabwe Fall, le chef d'état-major des forces terrestres des FARDC, l'a dit à son arrivée à Goma après l'audience lui accordée ce jeudi 3 juillet 2021 par le gouverneur militaire. Le lieutenant-général Sikabwe Fall reconnaît la superposition de l'état de siège et celui de la catastrophe naturelle qui vient d'affecter la province, principalement la ville de Goma et ses environs. Qu'à cela ne tienne, l'armée est toujours là pour intervenir. Le lieutenant général Sikabwe Fall, chef d'état-major des forces terrestres de FARDC. Nous avons parlé autour du thème de l'état de siège dans lequel nous sommes, parce que ma mission ici, c'est juste pour lui apporter un renforcement en capacité afin qu'il puisse bien assumer son travail. À l'option déjà état de siège, s'est fait superposer l'option l'état d'urgence. Avec la catastrophe qui a eu, l'éruption volcanique. Alors, vous savez, chaque fois qu'il y a une catastrophe quelque part dans un État, donc le système de défense fait que l'armée est toujours la première institution à intervenir. C'est pourquoi, donc ça a bien tombé que le gouverneur en ce temps-là, c'était un militaire, et c'est pourquoi nous nous dépêchons de Kinshasa, nous venons ici sur place pour voir toutes ces choses-là. Le volcan a déplacé des populations, nous travaillons pour des populations. Le volcan a bougé aussi le dispositif militaire. D'une province à une autre, la proposition de loi sur la congolité déposée depuis la semaine dernière par Noël Tchani, candidat dessus à la présidence de 2018, cette proposition de loi trouve gain de cause selon certains Congolais, les autres crient ras-le-bol. Les projets de loi de Noël Tchani continuent à susciter des réactions au sein de l'opinion congolaise en général et de la classe politique en particulier. À Matadi, chef-lieu du Congo central, les avis restent partagés, tant du côté de la population d'une part et celui des politiciens dans l'autre. Quand ça va bien, faut soutenir loi là parce que normalement moto faut kangamba mboka, faut à la 100% moi na mboka donc papa maman faut bazala ba congolais. Loi on va soutenir ngoza penza kitoko. Bonne loi wana en tout cas ça m'a bien parce que 100% congolais. Tout le monde est 100% congolais parce que l'évolution est qu'il est malade. Je suis en Mboka.
Au cours d'une interview réalisée ce jeudi dans son bureau de service, M. Nkodi Ambete, cadre de l'UDPS Congo Central, a émis son avis quant à ces. Je crois que ce n'est pas une question de soutien ou non, mais si nous faisons un petit recul dans toutes les constitutions de notre pays, depuis la loi fondamentale de 60 jusqu'à la dernière constitution élaborée, jusqu'au dernier projet de la constitution élaboré à la conférence nationale souveraine, dans toutes ces constitutions, il existe un article qui prévoyait que pour accéder à la magistrature suprême de notre pays, il faut être congolais d'origine. Des pères et des mères. Notons que dans sa proposition de loi, Noël Tchani milite pour le verrouillage des postes régaliens du pays. Pour y accéder, il faut être donc du père et de mère congolais. Revenons à Kinshasa où le Premier ministre Jean-Michel Samba Lokonde a eu une séance de travail le jeudi 3 juin à la primature avec François Mwamba, coordonnateur de la cellule de veille stratégique de la présidence de la République. Cette séance de travail s'inscrit dans le cadre de suivi et évaluation de l'exécution du programme du gouvernement qui est la mission de cette structure rattachée à la présidence de la RDC. Vous connaissez nos missions en tant que CPVS, le conseil présidentiel de veille stratégique. Ces missions consistent essentiellement à suivre, à évaluer et à faire des propositions au chef de l'État quant à la mise en œuvre de ces engagements qui sont stipulés dans le programme du gouvernement. Nous suivons ces engagements, nous en évaluons le niveau d'exécution et nous faisons des propositions pour améliorer cela. Alors quoi de plus normal, puisque ce n'est pas nous qui faisons, nous suivons, que de venir faire une séance de travail avec celui qui a la charge de mettre en œuvre, puisque le programme du gouvernement est mis en œuvre par le Premier ministre avec le concours de son gouvernement. Ça a donc été notre première séance de travail qui a donc consisté à examiner la manière dont nous allons collaborer pour que entre celui qui fait et celui qui suit, les choses se fassent au mieux des intérêts de la population congolaise. Parce que quand on parle des engagements du président de la République, ce n'est pas une affaire personnelle, c'est des engagements pris pour améliorer la condition de vie des populations congolaises. Et donc chacun fait sa part et nous sommes venus voir le Premier ministre pour nous accorder sur la manière de collaborer. Et on a convenu d'une feuille de route que nous allons mettre en œuvre. Voilà. Toujours à Kinshasa, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention annonce la survenue de la troisième vague de la COVID-19 à Kinshasa. Le docteur Jean-Jacques Mbungani rappelle aux Congolais la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures barrières déjà édictées par les autorités du pays pour contenir rapidement la résurgence de cette pandémie. Suivez les docteurs Jean-Jacques Mbungani. Chers compatriotes, il est important ce jour de faire le point sur la situation globale de la pandémie COVID-19 qui a déjà connu deux vagues en République démocratique du Congo depuis le 10 mars 2020. Ces deux dernières vagues de la pandémie COVID-19 ont été gérées avec succès grâce à l'engagement du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce succès n'aurait pas été possible sans votre civisme, sacrifice et respect des mesures édictées par les autorités politiques et sanitaires. Cet engagement commun a permis de réduire la propagation de la maladie, de limiter les décès et permettre la reprise des activités socio-économiques. En dépit de ce résultat, les activités de riposte ont été maintenues afin de détecter et de prévenir des éventuelles flambées des cas COVID-19 dans notre pays. Cependant, la combinaison de certains facteurs de risque,
sont à l'origine de l'augmentation des cas observés. Les principaux facteurs sont les suivants. Le relâchement de l'observance des mesures barrières mises en place, en ce y compris le couvre-feu. L'importation des cas suite au mouvement des populations au niveau de nos frontières. Une faible couverture vaccinale contre la COVID-19. Chers compatriotes, la situation actuelle de la pandémie COVID-19 dans notre pays est très préoccupante. En effet, on note une augmentation considérable des cas et des décès de la COVID-19 au cours des 4 dernières semaines. De ce qui précède, en ma qualité de ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, j'annonce officiellement la survenue de la 3e vague de la pandémie COVID-19 dans notre pays, avec la ville province de Kinshasa comme épicentre. C'est ici l'occasion de rappeler à toute la population de respecter strictement toutes les mesures actuelles et celles qui pourront être prises ultérieurement pour juguler cette crise sanitaire. Il s'agit notamment du port correct et obligatoire des masques, du lavage des mains à l'eau ou l'utilisation de la solution hydroalcoolique, du maintien de la distanciation sociale, du respect du couvre-feu à 22 heures. En complément à toutes ces mesures précitées, la vaccination reste un moyen efficace pour protéger la population et notre économie. Je vous invite à y adhérer massivement. Chers compatriotes, l'histoire de notre pays nous renseigne que notre peuple possède une réelle capacité de dépassement et de résistance face aux situations difficiles. C'est l'occasion pour moi de faire appel à votre sens élevé de civisme, de patriotisme et surtout à votre engagement afin d'observer les recommandations des autorités politiques et sanitaires. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Le geste barrière sont scrupuleusement à respecter pour éviter les confinements à Kinshasa, l'épicentre de la pandémie de COVID-19. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous massivement à Léon Jolio. Au revoir.